Voici donc le premier module, le premier des quatre moteurs qui servira de vérin pour le siège. Donc il s'agit d'un moteur d'essuie-glace, d'une alim de PC, d'une carte amplificatrice, d'un servo de modélisme dont le moteur était neutralisé, le circuit étant contrôlé par le cerveau. Simplement, le cerveau croit que le moteur d'essuie-glace est son moteur à lui, puisqu'il est solidaire donc de la sortie du moteur d'essuie-glace. Donc pour l'instant, ce n'est pas un PC qui contrôle le moteur, c'est donc juste un récepteur de modélisme connecté à un dévolteur et un accu. Donc pour l'instant, je contrôle le système par la radio. Voilà. Au niveau force, il y a de quoi soulever, je pense, le bras d'une personne.